Puis un mot pour vous dire que le tournage des séries Rupture et Blue Mood reprendra d'ici la fin de la semaine. Après un arrêt de travail, peut-être vous le savez, vous avez suivi ça au cours des derniers jours, de 4 jours. Jacques Bissonnet, les productions de Fabienne Larouche et le syndicat des techniciens se sont entendus pour ajuster, assouplir les conditions de travail sur les plateaux. Oui, tout à fait. Mais le syndicat se plaignait depuis plusieurs jours d'une surcharge de travail sur ces deux productions, donc de la production Étios de Fabienne Larouche. Alors, écoutez, selon le syndicat, et c'est l'avis également de l'Union des artistes, ben, c'est la réduction des budgets sur ces mini-séries au Québec, sur les séries télévisées, qui entraîne ce surcroît de travail. Alors, ça a été le cas en ce qui concerne ces deux productions, Blue Moon et Rupture, et c'est aussi, selon l'Union des artistes, le cas pour d'autres productions québécoises. Mais dans ce cas-ci, pour ces deux productions, ça s'est réglé parce qu'il y a eu des négociations au cours du week-end, et cet après-midi, ils en sont venus à une entente. Alors, c'est réglé, comme nous l'indique ici le directeur général du syndicat des techniciens. En réduisant le nombre de journées de tournage, ben, ça fait en sorte que les journées sont très condensées et très intenses lorsque tu travailles. Beaucoup plus de scènes dans la même journée, beaucoup plus de déplacements pour réaliser les différentes scènes qu'il y a à faire. Donc, c'était là l'essentiel là, des choses alentour de ça. Là. Là, c'est réglé. Et là, c'est réglé à la satisfaction de tout le monde. Voilà. Et puis, il y a cette triste histoire de ce technicien. Ouais. Le 30 août dernier, qui a fait un accident de voiture, il allait porter ou aller chercher des repas. Bref, là, la CSST, à qui on a demandé d'ouvrir une enquête, va ouvrir une enquête. Oui, écoutez, le cantonnier, en fait, donc, de cette production Rupture, qui s'appelle Carl Schumannon, 34 ans, a été gravement blessé dans cet accident de voiture survenu dans le tunnel Ville-Marie le 30 août dernier. Alors, selon ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que des enquêteurs de la CSST ont commencé leur travail. Ils ont rencontré les gens des productions Étios et également du syndicat des techniciens. On verra leur rapport. Ce sera sans doute pas pour demain. Ça pourrait prendre plusieurs jours et même plus, davantage, sans doute. Merci, Jacques. Je vous en prie. Au revoir.